Bonjour à tous, c'est Delka et nous sommes de retour pour finalement commencer réellement cette campagne de Total War Warhammer. Rappelez-vous, les orques sont arrivés vers le sud, les nains, on les a vus un peu passer, ils sont en train de se battre entre eux. Ils passent sur mes terres, mais honnêtement, moi je m'en fiche tant qu'ils viennent pas m'attaquer. Et là, ce qu'on va essayer de faire, c'est de voir si on peut éventuellement grossir nos rangs. Voir qu'est-ce qu'on peut éventuellement créer. Ah, c'est vrai que là on devait attendre. On va attendre ces tours-ci. On va voir qu'est-ce qui est possible de faire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Situation incorporation. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un peu aussi différent. C'est que là les villes vous ne les voyez pas, mais elles ont une garnison basique. Ça, c'est un autre truc que j'ai oublié de dire la dernière fois. C'est-à-dire que là voilà, mon château de Drakenhof, s'il est attaqué, il y a ça. Défend, c'est énorme. Ça veut dire que vous pouvez laisser un peu plus vos troupes vaquer à vos occupations et que des petites armées seront capables, avec la garnison, de défendre des grosses villes. Le château Tuppelhof, il y a tout ça qui défend en plus de l'armée du mec. Donc 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Vous avez vu, il y a 21 troupes, ce qui est plus que moi. Donc là, si je vais attaquer, c'est du suicide entre guillemets. C'est pas du suicide, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc là, ce qui serait éventuellement bien, c'est de créer un deuxième seigneur. Il est colérique. Le taille de l'aura du personnage. On va créer ça. On va prendre que des seigneurs vampires. Et on va recruter assez rapidement des troupes. On va raconter assez rapidement les troupes. Et le but, en fait, ça va être de protéger Eschen pendant que nous on va partir sur Vladenov. Donc ici, mine d'or détruite, bah voilà, donc la mine d'or on va augmenter. Et ce qu'on va faire là, on peut éventuellement faire produire du vin. Le problème, c'est que la plupart des gens, par la suite, c'est très très dur de faire du commerce en fait avec les vampires, je trouve que c'est dur parce que les gens ne nous aiment pas de base parce qu'on est des morts vivants. Donc je ne vais pas faire, je pense, de vin. On va pas partir commercial en fait, c'est plutôt l'empire et les nains qui partent commercial. Là on a une fosse commune qui peut augmenter la croissance, mais je trouve que c'est pas très très utile dans le sens où, ah oui, c'était un truc que j'ai oublié de vous dire, dans les petites villes vous ne pouvez monter que niveau 3 maximum, dans les grandes villes par contre vous pouvez monter niveau 5, ce qui fait que là dans deux tours, j'aurai la possibilité de faire des bâtiments de niveau 2 et je ferai maximum de niveau 3. Donc je vais pas m'amuser à faire un cairn immaculé, sachant que je pourrais pas aller jusqu'au bout. Vous voyez ce que je veux dire? Par contre, je peux faire quelque chose qui apporte une. Donc ça, c'est plutôt défensif, ça peut apporter des plus de garnison. Je vais pas non plus faire un brasier qui m'apporte de la corruption vampirique. Par contre, je peux faire des potences, donc ça augmente mon revenu, mais bon, c'est pas là. Capacité de recrutement local, bon, voilà, c'est pas intéressant tout ça, je trouve. Donc moi, ce que je vais faire, c'est tout simplement un bosquet sinistre, et ça va me permettre, du coup... Ah, regardez, il y a même un petit point d'exclamation disant que c'est ça. Donc, je vais faire un bosquet sinistre, et du coup, je pourrais atteindre le dernier niveau, et je pourrais faire des nouvelles unités. Pour l'instant, on a que des guerriers squelettes, des zombies, des lanciers squelettes, des vargues. Je peux vous le dire vite fait, la spécification. Les guerriers squelettes, c'est notre ligne de mire. Donc là, c'est marqué, je suis blindé. Donc, je peux pas vous montrer, mais regardez, à gauche, je suis blindé. Ça veut pas dire que je suis un tank, mais ça veut dire tout simplement que j'ai une résistance aux flèches. Blindé, c'est généralement que vous avez un bouclier et que ça vous permet de résister aux flèches. Les zombies, leur faculté, c'est qu'ils sont remplaçables. C'est de la chair à canon, les zombies. Les lanciers squelettes, voilà, ils sont blindés, mais ils sont aussi anti-larges. Ça veut dire que ils sont bons contre minimum ce qui est de la taille d'un cheval. Et en plus, ils ont la défense contre les charges des grands ennemis. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes des chevaux ou des monstres, les lanciers squelettes seront très efficaces contre eux. Le Vargufle, ça va être un peu le briseur de ligne de front, hein, très très puissante unité. Et la chauve-souris géante est remplaçable et faible contre les armures, mais elle va être parfaite, moi je trouve, c'est pour gêner
C'est pour gêner les archers, moi je trouve. Les chauves-souris géantes là, comme ça. C'est une unité volante. On a réussi à finir la technologie. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer, on va augmenter notre croissance et les revenus générés par les bâtiments de répression. Bon, ça pour l'instant, je crois qu'on n'a pas, puisque le bâtiment qu'on a, c'est plutôt une mine d'or. Mais bon, écoutez, on va quand même le faire. Est-ce qu'on attend de recruter? On va attendre de recruter, je pense. Oula. On était en pleine. Ah mais oui, forcément, c'est une recrute. Pour l'instant, on va laisser faire et on passe notre tour. On n'a pas beaucoup d'offres diplomatiques pour le moment parce que bon, pas grand-chose de très important pour les gens. On continue la résurrection et donc là, ce qui est pas mal, c'est qu'on va pouvoir invoquer notre troupe, une sorte de petite cavalerie, les bêtes de guerre, enfin ces trucs là c'est une petite cavalerie, c'est pas vraiment de la cavalerie, mais je me suis compris. Encore attendre un petit peu, pour l'instant je joue très safe, mon adversaire là à gauche, il augmente ses troupes lui aussi. Salutations, si ma volonté est reine, ne te méprends pas. Qu'est-ce que veut Marcus von Sickler? Un pacte de non-agression. Avec un paiement. C'est ici. Bon. Non. Je refuse. Pourquoi? Parce que c'est ici, hein, c'est pas ceux que j'attaque, hein, c'est les autres. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie de me prendre de malus sur le fait que par la suite, je vais sûrement les attaquer pour étendre tout mon royaume. Je n'ai pas besoin d'autres alliés vampires. Très honnêtement, je préfère me débrouiller seul. Alors, on va augmenter probablement le bois des abysses. Et là, voilà, comme on est passé niveau 2 au niveau du village, on va pouvoir faire un autre bâtiment. Pour l'instant, on n'a pas d'option parce que on n'a pas énormément d'argent. Et on va probablement faire du zombie. Pas de zombie. Il n'y a pas que moi, apparemment, qui a récupéré une autre armée. On va toujours attendre. Encore un tour ou deux. Je pense qu'il y aura une bataille. On va peut-être faire la bataille de quête. Donc là, les unités ont été recrutées. En guerre, ouais, je sais. Allez, on va partir sur Vadenov. Et... Allez, on part sur une résolution automatique. C'est pas très grave. Ouh, quand même, ça lui perd. On va rester un petit moment. Heureusement que. Vous comprenez pourquoi normalement on fait pas de résolution automatique. Pour l'instant, ça va encore. Parce que le problème, c'est qu'on n'a pas grand chose à micro-gérer. Donc je vais pas non plus partir sur. Point de compétence. Alors on va prendre ça, puis on va essayer par la suite de partir sur des sorts. Donc là j'ai gagné un sort qui va me permettre en fait de soigner mes alliés. Et ça déjà là on va pouvoir micro-gérer. Donc là ça va être intéressant de combattre. Ça aussi qu'il faut se dire. Alors, là on part sur la chaîne parce qu'il faut la protéger. On recrute les zombies. Pourquoi j'ai fait recruter du zombie? Parce que comme il y a eu une bataille sur la province, j'ai eu la possibilité de recruter vachement plus de zombies. Ce qui fait que là j'ai une armée assez importante en termes de taille. Donc si jamais il vient, à défaut de pouvoir le tuer, je pourrais au moins le repousser.
Et comme j'ai gagné des sous, je vais pouvoir aussi construire un autre bâtiment. Ouais, effectivement, on peut partir sur de la garnison. On va partir sur ça, sur un JB, je pense. Allez, on part sur du JB. Ça va augmenter mes revenus. Comme nous serons les seuls véritables maîtres vampires, il nous faut une grande puissance. Il nous faut une grande puissance. Alors. Vous pouvez toujours... Ah, mais oui, c'est vrai. Maintenant, je possède les trois. Donc maintenant, je vais pouvoir mettre un ordre de province. Regardez, donc du coup, je peux faire des invocations de Nagash qui vont me permettre d'avoir une capacité de recrutement locale encore plus élevée. Non. Et de l'expérience pour toutes les recrues. Là, je peux éventuellement changer aussi mon taux d'imposition. Je peux augmenter ma corruption empirique et surtout ma croissance. Ça, c'est assez important. Et je peux réprimer les mortels pour tout simplement avoir plus d'ordre public envers les morts vivants. Là, actuellement, ce qu'il me faudrait... Bah, déjà, ça, tu me le détruis. Je n'en ai pas besoin. Est-ce qu'on part sur de la croissance ? Alors, on va partir sur de la croissance et de la corruption vampirique. Bon, la corruption vampirique, on s'en fout un peu, mais la croissance, c'est assez utile. Et on va augmenter la puissance de nos villes avant de partir sur autre chose. Ouais, ça sent quand même la guerre. Ah, quand une unité passe, ça c'est un truc des morts vivants. Ouais, je m'en doutais qu'il allait avoir une bataille. On est assiégé. On est assiégé. Et ben, tout simplement, ça sera notre première bataille. Regardez, on est mid. Vous voyez, voilà pourquoi j'ai fait une deuxième armée. Hein. Je suis pas fou. Prenons part à la bataille. Et voilà. Donc du coup, j'essaierai de passer comme ça les temps de chargement pour éviter que vous perdiez des minutes de temps de chargement qui ne sont pas des minutes de bataille. On va commencer le déploiement, même si... parce que là, en fait, on a la possibilité de parier pour avoir des meilleurs, des vents de magie plus favorables pour nous. Mais les vents de magie, qu'ils soient favorables ou non, on s'en fiche un peu parce que notre seul lanceur de sort actuellement... Ah merde! Il a un sort, en fait. Bon. Bah, ben, c'est pas grave. Alors, je vous montre un petit peu la gueule des unités, quand même. Donc là, on a des zombies. Ils sont enthousiastes, les zombies. Cool. On a nos lanciers squelettes. Les chauves-souris géantes qui vont pouvoir un petit peu embêter toutes ces... ces unités en face. Nous avons notre seigneur vampire qui se trouve ici, qui se charge de la défense de la cité. J'aimerais bien vous montrer des guerriers squelettes, mais j'ai l'impression que j'en ai pas. J'ai pas de guerriers squelettes. Bon, c'est pas grave. Alors on va commencer à s'arranger. Pac-pac, je vais prendre ça, ces unités-là, je vais les prendre là, et je vais faire un groupe avec eux. Voilà, comme ça, ça va me permettre de les gérer indépendamment. Les zombies seront notre ligne, tout simplement, de chair à canon, piétaille, tout ce que vous voulez. Hop, donc là, tac-tac, ah mince, j'ai oublié des petites unités. Donc ça, c'est nos lanciers squelettes. Ah mais du coup oui, j'ai oublié complètement ça en fait. Donc là on a une énorme ligne de zombies. On va prendre de l'infanterie là, on va essayer de la mettre là et de désorganiser tout ça. Au niveau de tous les zombies là, ce qu'on va essayer de faire... avec les zombies... c'est les mettre dans un groupe aussi pour les faire avancer indépendamment. Ça, on va les mettre dans un groupe. Voilà, ça me paraît pas mal. Et on va mettre notre vampire ici et nos troupes de chauves-souris, on va les mettre là.
et on va commencer à appeler. Donc là, le but, ça va être de faire en sorte, c'est eux qui viennent, très bien. On va faire ça. On va pas trop... En fait, le but, là, ça va pas être de trop s'éloigner du... de notre vampire, qui va donner la puissance de commandement à nos unités. Ah, je vais vous montrer le mode que j'ai installé. C'est ce mode-là, en fait. Ça permet, en fait, de simplement virer ça et de faire des zooms. Voilà, tout simplement. Et ça, c'était un truc qui n'était pas possible à la base. Donc, on regarde vite fait ce que ça possède l'adversaire. On voit qu'il y a un sorcier, on voit qu'il y a des guerriers squelettes, donc ça c'est des unités un peu chiantes. Les ghouls des cryptes. On va aller par là. On va demander à nos zombies d'y aller en marchant. En marchant. Faut pas qu'ils soient trop fatigués. S'ils sont plus fatigués que les adversaires, ça va pas le faire. Et on va demander à nos lanciers de les suivre, bien évidemment. Notre héros vampire, lui par contre, est ici pour ce qui est trop grave. Limite, je peux essayer de pas de le sacrifier, mais ouais, sinon je vais le mettre en danger pour rien. Et là, je temporise un peu. Pourquoi je temporise? Parce que ça va me permettre de gagner des vents de magie et ça va me donner l'avantage, je pense. Il y a des loups funestes qui approchent des miens. Sinon, ce que je peux faire, c'est éventuellement essayer de d'aggro les loups funestes et de donner l'avantage avec mes chauves-souris. On va essayer. Donc là, j'accélère, donc c'est normal que c'est un peu... si je pars sur ça, c'est déjà un peu plus joli. Je vais essayer de faire en sorte à ce que les loups funestes prennent une certaine aggro. En plus, ils sont en haut d'une colline. Donc là, s'ils prennent une charge, c'est pas trop chiant. Voilà. Je vais lui faire gaspiller ses sorts et tout. Ils ont une augmentation. Ressusciter les combattants morts, tout ça, là. Il a le même sort que moi, on va le laisser... Oula, 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 oula. On part par là, toi. On va le laisser gâcher tout son sort, là. Et là, vas-y. On va attaquer et on va s'en débarrasser. Alors, ensuite, toi, tu vas t'attaquer à eux. Et c'est parti. Là, tu vas quand même partir comme ça. Là, tu vas essayer. Tu faut éviter de se faire encercler aussi. Donc là, on va partir comme ça. Non, allez tout droit. On va s'occuper de ça. Donc là, il y a de la magie. Hein. Mon seigneur se fait attaquer. Très bien. Le seigneur, là. On lance le sort, voilà, ça va régénérer les morts. Ouh là là là. Ça se voit qu'il y a beaucoup de troupes à gérer parce que là... On va se tourner un peu plus par là parce que le commandant faiblit. Et on va apporter tout simplement de l'aide. On aille aider notre groupe par là. Ensuite, au niveau des chauves-souris, allez les aider. En fait, si vous voulez, il faut faire en sorte à ce que sa ligne à lui soit brisée, mais pas la nôtre. C'est-à-dire que là, les ghouls vont se faire. Qu'est-ce qui se passe? Ah, oui, j'allais dire, c'est juste que. Un petit bug d'affichage, parce que. Ils ont gagné la bataille. On va pouvoir les faire charger.
Mais il y a énormément de troupes, hein, donc forcément, là, je suis en train pas de bugger, mais voilà quoi. On va envoyer notre sorte de résurrection sur les guerriers que je possède ici pour les faire simplement faire en sorte à ce que là, la barre là, ici, elle commence tout simplement à remonter. C'est pour ça que là j'ai envoyé mes chauves-souris et tout. Il faut vraiment que les critiques, dégâts subis. Et là si on gagne c'est pas trop grave, mais il faut. Enfin si on perd c'est pas trop grave, mais il faut limiter absolument les pertes parce que là, plus on fait mal, plus bah tout simplement on va pouvoir derrière obtenir de l'aide. Avec notre première armée. Ici on commence à gagner. Ici ça va. Ici. Ouais, ici on est en train de commencer à perdre par contre. Ça c'est le problème. C'est qu'on n'a pas énormément de commandements. Après, il y a deux seigneurs qui vont se battre ensemble. Le sorcier contre le guerrier. Bon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à toutes les troupes d'attaquer le sorcier. Et on a encore une chance de gagner parce que il a cru qu'on allait le laisser faire. Sauf que non. Pas du tout. Là, je lance mon sort pour les booster un petit peu. Le seigneur ennemi est blessé, donc déjà au niveau du commandement, on est pas mal. Les chauves-souris vont de toute façon mourir, je pense. On va retourner l'armée à ce niveau-là. Là, on va faire au contraire un barrage. Une critique attaquée par l'arrière. Oui, ça c'est le problème, c'est ça qu'on est encerclé ici. On va essayer de booster par ici. Ça se bat ici. Oui, ça se bat, ça se bat. Ça se bat, ça se bat. Ça se bat contre la grosse masse qui est là-bas. Ici, il y a un autre seigneur. Il y a un autre seigneur. C'est pour ça que là-bas, on a du mal à gagner. Le problème, c'est que je peux pas pour l'instant bouger ces unités-là. Vraiment, les boules décrites, là, faut que je les tue. En fait, il faudrait que j'arrive à les tuer et arriver à les arriver à les attaquer par là. Et si c'est la merde, hein. Et si c'est la merde, hein. Tout ce que... Dès que vous voyez cette petite truc là rouge, ça veut dire que j'ai une unité qui commence à perdre du lien vital, en fait. Et donc, du coup, peut-être, elle est moins efficace et elle va se faire tout simplement découper. Vous voyez que les unités, c'est un peu fouté. Je dis, j'ai dû faire des concessions graphiques, hein, si je voulais vous montrer. Okay. Ici je demande d'essayer de le tuer. Ici je demande directement de faire un sort aux unités là-bas. On va essayer de gagner au moins la guerre là-bas. Sachant qu'ici nos lanciers squelettes sont démoralisés, ils sont en train de s'effondrer, mais ils sont en train de tenir toute cette masse. Pourquoi pas? Je peux arriver par là. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de les aider. Pendant qu'ici ils sont revenus. Je pense qu'on a perdu. De toute façon. On a perdu cette bataille de défense. Mais derrière, notre première armée, quand elle va arriver, la contre-attaque va être violente. En fait, on a perdu une bataille, mais on n'a pas perdu la guerre. Je pense même qu'on l'a gagné. Ce genre de petite chose. Donc là, ils sont attaqués par derrière. Et donc ils vont subir un effondrement aussi. Subissent l'effondrement, donc ils fuient pas, hein, malheureusement. Les morts-vivants ne fuient jamais, à la fois malheureusement et heureusement. Et on va essayer de ressusciter un maximum de lanciers squelettes ici, qui sont les unités les plus valeureuses, parce que je crois pas de garder squelettes. On va essayer de les faire tenir, parce que là. Là, l'infanterie ici, comme notre seigneur a beaucoup de PV, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tenter. À tout simplement de les retenir tous
pour essayer de conserver cette unité. Alors l'unité qui est ici va s'effondrer parce qu'elle se fait attaquer par derrière. Ouais, on a perdu. Alors on a perdu, mais il faut qu'on fasse un maximum de dégâts. Donc là pareil. Donc voilà ce que fait exactement le sang. Ça ressuscite les combattants morts, ça reconstitue les PV des combattants et ça soigne les blessés pendant 24 secondes. Ce qui fait que là, voilà, 84. Je sais pas si on va avoir. Vous avez vu, la barbate a légèrement augmenté. Je sais pas si on vous laisse profiter un petit peu du spectacle. C'est le bordel. Cette unité commence à perdre sa puissance. Le seigneur vampire qui se débrouille hein, quand même. Hein. Chien galeux. Oh, je suis un vrai mort-vivant. On a quand même une unité de lanciers squelettes là-bas qui tient. Hein. Quoi qu'il arrive, elle tient là-bas. Allez, on continue à la bourrer celle-là. Le vent de magie. L'unité l'emporte légèrement contre des zombies. On peut éventuellement voir les stats des unités. Après, les lanciers squelettes, ils ont une attaque en milieu de 14. 5 pour les zombies. Donc là, effectivement, c'est plus fort que chez nous. Et maintenant on va attaquer cette unité de zombies là. Allez, on continue. J'aime la magie. Et on continue à tenir et à essayer de repousser le plus de zombies ennemis possible. Ça c'est la guerre intestine, de toute façon pour l'instant. On remarque que notre seigneur commence à faiblir, mais qu'il est non seulement toujours là, encore vivant, et qu'on peut utiliser son sort sur lui. Donc, il faut essayer de temporiser et on va essayer de faire en sorte de lui faire regagner quelques PV. C'est pas encore perdu hein. Ce n'est pas encore perdu les amis. Allez. On va temporiser après par la suite. Là on va temporiser. Alors. On va temporiser, on va essayer de le soigner grâce à la magie. Et là vous allez vous rendre compte de la puissance assez monstrueuse des vampires. Our time is now. Je vais bien le tourner. Ce qui aurait été bien, ça aurait été. Courez. Courez vous mettre là-bas. Vite. Et on va en fait les mettre ici sur la colline en rang comme ça. Et toi on va tourner comme ça. Et pour le coup ce qu'on va faire, en fait, déjà on temporise pour avoir plus de magie, recharge vite. Merde, on pourra pas se soigner. On pourra peut-être pas se soigner, mais ça veut pas pour autant dire qu'on a perdu. Lien faible, dégâts subis. Lien faible, tout ça. Ok, ils ont moins, ils ont pas bien ici. On a pris des dégâts, mais on a de bons liens. Les lanciers sont une unité assez défensive. Je vais leur donner l'avantage de la hauteur. Et nous, on a encore notre héros. Ils vont peut-être essayer de focus ce héros, mais faut pas qu'il meure. Donc, c'est freinage. On va tenter de tenir avec une ligne de front pas trop étendue justement. Allez, venez vous empaler. On active le mode garde. On va subir la charge. Et je contre-attaque avec ma propre charge de mon seigneur. Et là le but en fait
ça va être de tenir, encore une fois. Boum. Les zombies ne sont pas une grande menace, c'est vraiment des guerriers de ghouls comme ça. Alors pour vous donner une idée, les ghouls... À cause de nombreux dégâts, elles ont des attaques empoisonnées, mais elles sont faibles contre les armes. Allez! Pas encore perdu. Ah, le seigneur est mort. Non. Défaite valeureuse. Non. Non, ils ont tué mon seigneur. De toute façon, j'aurais rien pu faire. J'étais obligé de rester, quoi qu'il arrive. Alors, vous avez vu les dégâts des ghouls décryptes? Ça, c'est le nombre de morts qu'ils ont causé, quoi. 147 morts. Ça a tué du zombie, hein. Ça a tué du zombie, moi, je vous le dis. Eh ben, je suis vraiment pas mécontent, hein, parce que, regardez, on peut dire ce qu'on veut, hein. Siegfried Elnicht et Reginald Van Hal. Ah, c'est probablement l'autre, la garnison. On a déployé peut-être moins de troupes et tout, enfin on a eu moins de pertes et autres, donc très honnêtement, enfin ouais, c'est vraiment kiff-kiff. Pour une armée qui était vraiment moins valeureuse, moins forte, je suis pas mécontent de cette défaite. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'on va se prendre... Alors par contre, le chargement d'après, de l'après-bataille, je vais le laisser, je pense. Voilà. Il y avait, on était 2161 contre 2312 et on a eu moins de pertes que eux. Voilà, il leur reste 67 unités. Allez, et il fuit. Voilà. Mort au combat, donc carrément. Et on s'est fait mettre à sac. Ils disent que vous savourez la victoire. On dit que vous passez plus de temps à ériger des monuments en bataille qu'à diriger le royaume. On dit que vous êtes fous. Nous verrons bien qui est l'imbécile. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va contre-attaquer immédiatement. Mais qu'est-ce que c'est-il ? On a peur de ma contre-attaque ? La bataille a été rapide. On va renforcer les 10% de nos unités. Darkness come. Et bien évidemment, on va aller faire coucou aux ennemis qui se trouvent là-bas. Et lorsque on a la résurrection qui est possible, vous remarquerez qu'on peut retourner les troupes, certaines troupes contre notre adversaire. Et ça, c'est génial. C'est-à-dire que le Vargulf qui est ici, on a la possibilité de le recruter. Alors que c'est une unité valeureuse. Donc on va le recruter. Pourquoi pas recruter des horreurs des cryptes qui sont à perce armure, ce qui va être très très bon. Donc on va faire ça, je pense qu'on va recruter ça. On va peut-être recruter de la cavalerie, parce que c'est vrai que c'est un truc qu'on n'a pas beaucoup. Allez, on recrute. Coucou. Là, juste pour le délire, alors, ce qu'on va faire aussi ici. Déjà, on va réparer ça. Voilà. Waldenhof, on va faire autre chose. Je veux pas faire de la croissance. Mais je crois que je suis obligé, c'est ça. Alors moi, je veux faire ça. Je veux faire un JB, je pense. Ou sinon, non, regardez ce qu'on peut faire. Je fais un cimetière.
C'est con parce que j'en ai détruit un là et tout. Enfin, j'ai fait un peu d'amour. J'enlèverai le cimetière ici. Mais par contre, ici, je le remplacerai par un truc qui peut monter plus que niveau 3. Ah ouais. Donc là, clairement. Ah oui. Perchan a gagné un point. Donc on est à plus. On est encore à 30 minutes de vidéo. Je pense que bah, ça va être 30 minutes de vidéo. C'est un jeu de stratégie. Et j'arrive pas. Voilà quoi. Là, on va faire résurrection. Ça va engendrer une unité de zombies. Ce qui va nous permettre d'augmenter encore plus notre armée et d'attirer bah, les troupes. Ouais, on va pouvoir ressusciter. On va passer le tour. Si on passe le tour, c'est parce que moi, là, je veux le château Topalov. Je le veux à mes pieds. Non, 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 non. Non. But do not assume that as we share a bloodline, thou shalt not be shackled to mine will. Approchez, mais ce n'est pas parce que nous partageons la même unité que nous allons devoir. La paix, frère de sang. Au lieu de la guerre, buvons un bon cru. Non. Ceci marquera votre perte. Et le mec, il fuit le château. Une grande migration vient à nos frontières et demande refuge face à la plus grande menace. Ah, bah il faut la migration. Parce que, en fait, si tu fais rien, bah t'as rien. Mais si tu prends ça pendant 3 tours, tu vas avoir une croissance de plus 15 dans toutes les provinces avec un coût de recrutement moins élevé. Mais surtout, bon, il y a juste l'ordre public qui va baisser. Mais tu t'en fiches. Ça, c'est pas. Voilà. Alors, au niveau des détails de la garnison, que des lanciers squelettes, je devrais pas perdre énormément si je veux. Voilà, donc je peux. Ah oui, c'est vrai, il faut. Je suis obligé de faire une petite troupe de siège, sinon ça ne voudra pas lancer le siège. Là, je regarde ce qu'il fait. Je ne peux pas prendre le château de Raken. On va prendre le château Topalov. Je ne sais pas trop ce qui se passe au niveau des orques et des nains. Nous avons détenu une forte appareil, une lance sanglante. Alors non, c'est pas forcément des embuscades. Réserve de puissance de magie pour toutes les forces pendant 3 tours. Et là, on peut pas faire de réseau auto parce que coup de la main d'œuvre, on l'a pas encore. Bon, c'est pas grave, on fera ça la prochaine fois. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et à me dire ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît pas. Et sur ce, je vous dis à plus.